Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Sniper Elite 4 sur PlayStation 4. Édité par Rebellion et développé par Just4Games, sortie officielle le 14 février 2017. Peggy nous le déconseille au moins de 16 et il n'y a pas encore eu de note à ce jour. Bon, du coup, on va brièvement parler du menu et puis après on va se lancer dans une mission solo où est-ce que je vous pourrait vous parler de quoi il en retourne sur ce qui est tout système de gameplay, histoire, si le jeu, malgré les nombreuses suites que l'on a de la saga Sniper Elite, est-ce que ça tient toujours la route? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on racle la fin du pot de yaourt chez Rebellion? Du coup, donc vous avez trois modes, solo, le multijoueur et le coopératif si vous voulez jouer à plusieurs, avec vos amis, en écran scindé ou autre, le champ de tir pour vous entraîner, et nous allons nous attarder sur l'équipement. Donc du coup, pour le menu, comme vous pouvez le voir, tout en haut à gauche déjà, il y a deux cases déverrouillées, donc quatre encore cadenassées. C'est une nouveauté, c'est l'arbre de compétences. Tous les 5 niveaux, vous avez un passif en fait, donc comme vous pouvez le voir là par exemple, vous pouvez stabiliser le rythme cardiaque. Ou sinon vous pouvez augmenter votre rythme cardiaque de base, accélérer la mise au point des cibles par les jumelles, ou obtenir plus d'objets quand vous fouillez les cadavres. Je ne vous parle pas du reste pour limiter le spoil. Donc ça c'est une nouveauté, je vous rappelle bien sûr que Sniper Elite c'est l'histoire de ce fameux sniper britannique-américain, nommé Carl Fairburn, agent de l'OSS, qui part cette fois-ci du coup en Italie. Donc on oublie Tobrouk, près de la frontière libyenne, on oublie donc du coup cette seconde guerre mondiale entre la qui se déroule entre la Libye et l'Égypte pour le troisième volet de Sniper Elite. Et là, on va se pencher plus sur l'Italie, les côtes siciliennes, le sud-ouest de l'Italie. Enfin, vous le verrez de vous-même. Vous avez ensuite votre propre package avec de l'argent que vous pouvez gagner en augmentant vos niveaux. Vous voyez en haut à droite que j'ai 3$ et du coup que je pourrais me procurer un sniper, non, parce que c'est 5$ minimum. Vous avez donc du coup après le comparatif, les améliorations au fur et à mesure que vous utilisez le sniper. Oui, par exemple, je n'ai pas débloqué le carabineur, mais comme je l'ai eu souvent dans le jeu et que je le récupère sur des corps, tout ce qui peut être effectué pour débloquer les améliorations s'effectue même quand l'arme n'est pas débloquée. Donc ça, c'est plutôt sympa. On ne prend pas de retard, quoi, en gros. Vous pouvez ensuite aussi mettre des skins sur votre arme. Moi, j'ai pris le légendaire Carcano, qui n'aime pas le Carcano d'un Sniper Elite. Et puis ensuite, vous pouvez aussi donc, du coup, débloquer les améliorations au fur et à mesure. 50 frags à moins de 20 mètres pour débloquer la vitesse initiale. La stabilité 10 tirs sur grenade à la ceinture. Et pour le zoom, distance totale de frags 10 km. Enfin, vous débloquerez du coup un skin de maîtrise pour n'importe laquelle de vos armes, qu'il s'agit d'une arme automatique secondaire ou d'un fusil sniper en arme principale. Vous avez bien sûr aussi l'arme de poing, le Wellroad, toujours le petit pistolet silencieux. Et bien sûr, après tout le monde voudra le Webley, qui est le meilleur revolver du jeu. Vous équipez ensuite vos trousses de soins, bandages, enfin, vous partez déjà avec 6 objets de base et vous en récupérerez au fur et à mesure de vos fouilles dans le jeu. Je ne vous en dis pas plus, je pense que j'ai fait à peu près le tour du menu et de la nouveauté qui était proposée dans Sniper Elite, qui est l'arbre de compétences. Pour ce qui est du reste, il y a pas mal de nouveautés in-game, et je vais lancer du coup une mission solo. Je scinde ma vidéo en deux pour vous faire la surprise, car il s'agit d'une mission que l'on peut obtenir dans tous les Sniper Elite, mais qui n'est pas normalement inclus dans le jeu de base. Je pense que les fans de la saga... je pense qu'ils savent de quelle mission je parle. Donc du coup, je ne vous vais pas patienter plus longtemps. Je vous dis à de suite. Bon, déjà, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il est sacrément beau. Franchement, ce Sniper Elite 4 est vraiment magnifique. Enfin. Bon, du coup, la nouveauté. La map part un petit peu sur un style open world, beaucoup plus vaste que les précédents opus, avec plusieurs objectifs à faire.
tu es Richter. Bon, ça, c'est mon objectif principal, mais il y a différentes façons ben, d'analyser, d'appréhender votre mission. Un tableau, pour qu'il soit fait à 100% avec tous les objectifs secondaires, peut vous prendre jusqu'à une heure, voire plus. Ça peut exploser. Donc du coup, la mission, je vais la découvrir en même temps que vous, mais en fait, il s'agit d'une mission que l'on peut avoir dans tous les snipers élites, hein, craint de recevoir une balle dans la tête. Ça, c'est trop drôle. Ça, quand on va rendre son cauchemar réalité. Voilà. toujours le côté X-ray avec la balle. Ouais, on peut avoir plein de petits descriptifs sur les peurs, les envies des personnes quand on les spot à la jumelle assez longtemps. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc cette fameuse mission, c'est l'une des missions qui vous est proposée avec un code sur l'édition même de base de Sniper Elite 4. Il s'agit de la fameuse mission où l'on peut tuer Hitler. Donc on va voir ben, comment l'assassinat d'Hitler est amené dans ce nouvel opus, parce que c'est toujours différent. On la connaissait sous le nom du meurtre du loup blanc, il me semble, ou la tanière du loup blanc dans Sniper Elite 3. Là, dans celui-ci, c'est Target Führer que la mission se nomme. Donc, eh ben, au final, en fait, j'ai trouvé ma cible. Faites attention, votre fureur. Hitler doit se trouver sur l'île. Ma mission vient sans doute. Eh ben, ma foi, je ne suis pas venu ici pour rien. Je me demande ce que Karl Fairbairn doit se dire. Je pars en mission de reco, je dois tuer un officier assez important de la SS, de la Gestapo, de nazis, enfin, de toute la petite bande, et au final, j'ai possibilité d'arrêter la guerre. Ça doit être vachement cool, quoi. Bon, alors, les provisions, où est-ce qu'elles sont? Ben, je crois qu'on y est, là, en fait. C'est quoi cet endroit? Ah ben les voilà. Quand on reste devant un fusil, vous pouvez avoir l'équivalent. Manlicher. Non, je vais rester avec mon Carcano pour l'instant. D'ailleurs, je crois que c'est même le meilleur sniper du jeu. Du moins, c'est ce à quoi Sniper Elite m'a habitué. Donc voilà, deux DLC, enfin deux codes vous sont proposés avec le jeu, Target Führer et après le pack de fusils camouflage. Comme vous pouvez le voir sur mon Carcano, j'ai un camouflage feuille. Donc ça voilà, ça c'est avec le jeu. Donc voilà, le jeu se passe en Italie, en 1942-43, durant la Seconde Guerre mondiale. Et toi... Hop là. Alors ce qui est un peu chaud avec le Wellroth, c'est que comme c'est le flingue le plus faible du jeu, même le headshot des fois, il suffit que je vise un peu trop au-dessus et que la balle atterrisse dans le casque. Et du coup le casque va retenir la balle quoi. En fait, d'ailleurs c'est la seule arme où est-ce que le casque peut retenir la balle. Normalement n'importe quelle pète de sniper dedans ça vous flingue. Après en fonction de la difficulté que vous pouvez choisir aussi hein, vous avez facile, normal, difficile et encore un mode encore plus difficile. 4 niveaux de difficulté vous sont proposés. Oh du con, qu'est-ce qu'il est beau. Le jeu de lumière et tout franchement c'est vraiment affolant. Vous avez après 3 postes pour Karl Fairbairn, couché, accroupi, debout, et puis après vous pouvez sprinter en fonction de vos positions. Oula toi. Voilà, ouais, toi tu restes à terre, c'est très bien. Alors on va fouiller. Et là après on peut récupérer plusieurs choses. Comme des mines S, des mines câblées, des munitions de fusil, de pistolet, de mitraillette. Enfin c'est... Non franchement c'est... Il est beaucoup plus complet. Hop là, heureusement qu'il a bugué et qu'il met un petit peu de temps à tourner. Toi je t'ai vu. Oula, bon allez, on va griller peut-être notre couverture, mais bon, face à un sniper, je sais que là. Oh, oh oui. Oula, je vais me faire repérer. Non. C'est bon? Ok, je suis toujours dans le jaune, donc ils savent bel et bien que je suis là, mais ils n'ont pas repéré ma position. Parfait. Bon. On reste tranquille. On va essayer de la jouer quand même discret. C'est à la base un jeu un peu infiltration, même si moi je suis plutôt bourrin. Mais je ne sais pas où est l'autre. Vous le voyez en bas à gauche là, mais... Ah, c'est son ombre ça. Oh, putain, mais il était là. Salut. Voilà. Bon alors. On va faire le tour. Alors ça, le gros logo qu'il y a sur la map, c'est une mitrailleuse dans un bunker. Alors lui, on va l'arrêter de suite. Et la mitrailleuse, je vais pouvoir courir directement parce que la mitrailleuse, c'est l'ennemi qui met le plus longtemps à nous spotter, même quand on est devant lui. Ça nous laisse le temps d'aller dessus et poser un petit C4. On peut poser, même mettre un minuteur. Et ensuite, on n'a qu'à attendre que le feu d'artifice
arrive. Le jeu occupera 33 gigas de votre console, pour info, et le multi est jouable de 2 à 12 joueurs. Mais après, pour avoir un pseudo-système open world avec différentes façons d'appréhender et un ordre à donner dans vos objectifs, on se retrouve avec des missions qui, selon les joueurs, selon la personnalité de ces gamers, peut avoir un scénar complètement différent. Ça, c'est un sniper, ça. Et ça, franchement, c'est une nouveauté qui est vraiment cool, quoi. Après, si vous voulez vraiment le faire à 100%, récupérer tous les objets, parce que là, il y en a pas mal aussi à récupérer, hein, croyez-moi. Oh putain, pourquoi tu t'es déplacé, toi? Oh, c'est bon. Il m'a juste aperçu. Je vais me dépêcher. Allez, voilà. Putain, mais c'est d'une violence! C'est affolant. Donc du coup voilà, plusieurs objets à récupérer qui s'appellent des lettres aux proches, des lettres de proches, des dernières lettres, des documents divers, des comptes rendus de sniper. Ce car est largement plus puissant. Moi qui pensais que le car canon était bien plus fort, finalement j'ai trouvé un car 98 à culasse. Ah la mire elle est... Ouais, je préférais la mire du car canon. Je préfère une mire en croix plutôt qu'une mire en T. Alors ça, bon, je vais pouvoir faire du son. Et du coup, je vais pouvoir camoufler mes tirs. Vous allez voir, je suis camouflé quand il y a cette petite onde en haut de mon écran. Ce qui fait que le son ne peut pas être perçu. Oh putain, t'as survécu à une balle dans le thorax, toi ? Putain, crève ! Après, bon, bien sûr, on peut passer le côté bullet time en appuyant deux fois sur croix rapidement. Le jeu nous dit faites croix pour passer, mais bon, après, la première croix ne marche pas. Moi, il me faut une double croix. Enfin voilà, et après voilà, vous avez aussi des cahiers de service, enfin beaucoup d'objets divers à récupérer, ce qui fait que le jeu à platiner est encore plus dur. À ce moment où je fais le test, c'est-à-dire un jour avant sa sortie, le 13, le jeu étant disponible dans la plupart des points de vente depuis le 10 février. C'est vraiment sympa l'effet qu'a fait la balle, là. Elle a tourné sur elle-même avant de rentrer dans sa tête. Enfin c'est... Je pense qu'après, il doit y avoir à une certaine distance l'effet de Coriolis qui doit jouer, qui doit influer sur la gravité et la force de pénétration de la balle. Du coup, voilà, enfin, on peut la voir depuis 4-5 jours avant sa sortie. Ça, c'est fou, les vols qu'ils prennent, c'est génial. Mais du coup, voilà, le jeu n'est pas encore platiné à ce jour. Un jour avant sa sortie, vous allez me dire, bon, mais bon, pour les petits chanceux ou les gens qui ont réussi tout simplement à l'avoir, enfin, à vrai dire, peu importe, pas besoin d'être chanceux, le jeu était en vente bien avant la date D de sa sortie. Pourquoi t'es parti là-bas, toi? Non mais, vous savez quoi, je vais le faire sortir. Je vais te faire sortir de là. Allez, sors. Ah. Bon, ben, je l'ai eu. Bon, ben, d'accord, ok, tant mieux. Alors, tiens, il y a pas mal de monde en bas. Il y en a un, il y en a deux. Oh, je sais ce que je vais faire. Alors, grenade sur lui, ce qui fait que ça va l'assommer un petit peu. Et vite, pendant ce temps. Ok, c'est bon. J'ai eu les deux. Parfait. Après, personne ne sait où je suis encore. Alors, toi, je vais essayer de t'avoir là. Hop. Oh, la balade. Oh, elle a descendu tout ton fémur, quoi. Quelle horreur. Bon, ça y est, ma couverture est grillée. Oh, merde. Oh, putain. Il y a Hitler qui se barre. Ah, je pensais pas du... Ouais, vous voyez, il est... Putain, il m'en reste un là. On dirait que le Führer... Allez, dégage. Tire au poumon. Il se déplace, mon petit objectif. Putain, il est pas loin. Je vais essayer de... Attends, il va prendre la fuite de toute façon par bateau, vu qu'il y a un bateau à côté de moi, c'est logique. On va essayer de prendre un peu d'avance et de le flinguer. Alors là, c'est mission un peu suicide, hein. Je m'apprête à recommencer au checkpoint si j'y arrive pas. Mais bon, éventuellement, si je peux le démonter. Qui c'est qui m'a spoté ici? Il est où? Ah, mais t'es là. Hop. Bordel. Ouais, bah, il se barre en bateau, génial. Alors toi, tu dégages. Eh oui, vous voyez le petit bateau en bas? Bon allez, on est bien placé, allez on va tenter. On respire tranquillement. Il n'y a pas de baril explosif à l'arrière des bateaux. Il y en a toujours dans les Sniper Elite normalement. Oh, faut que je le flingue forcément lui. Vous êtes sérieux?
Bon, ok, il faut que je décale un peu. Allez, ici, c'est ma dernière chance. Oh! Oh! Oh putain, j'ai réussi! S'il y a le bullet time, c'est que j'ai réussi. Oh god! Oh, c'est bon. Oh putain. Oh les gars! J'ai flingué Hitler. Oh nice. Bon, ma mission principale est terminée, certes, mais... maintenant, vous voyez, il faut que je fuis l'île. Mais après, il y a d'autres objectifs à faire, comme saboter les systèmes de sécurité. Il y en a deux. Vous voyez, c'est écrit en bas, il y a 0 sur 2. Il faudrait faire les deux pour avoir un 100% en fait. Déjà, on va se rendre vers le point d'évac, d'abord. Oh, ce monde sur la map, oh là là, ça craint. Bon, au moins, l'objectif principal est rempli. Mais comme vous pouvez le voir, la mission ne s'arrête pas une fois votre mission accomplie. Vous devez fuir, bien sûr. Grosse nouveauté aussi, il y a une safe zone à chaque début de manche. Vous êtes avec des résistants et autres, vous pouvez vous équiper. Même si vous partez avec votre propre package d'armes faites juste avant, ce que je vous ai montré durant ma première partie de vidéo, vous pouvez bien sûr vous changer dans la safe zone si vous avez fait une fausse manip. Et ça, c'est plutôt sympa de pouvoir revenir en arrière. Oh, les dents. Oh, putain, il y a carrément l'œil gauche qui a explosé. C'est d'une violence, mais j'adore, c'est vraiment trop stylé. Et puis vraiment, c'est vrai qu'il est beau. Je m'attendais pas à cette période de l'année et de la part d'un jeu avec aux commandes Rébellion, avoir un jeu quand même si beau graphiquement. Oh là là. Oh le foie. J'ai niqué une part du foie et de l'intestin. Ah mais au moins avec Sniper Elite vous pouvez réviser l'anatomie humaine, hein. Ça c'est banco. Hein. Alors, allez hop. Putain, ah mais je me fais démonter là. Sors la STG-44. Hein. Ah mais c'est un commandant lui en plus, c'est un officier. Officier tué. Plus d'XP en fonction du grade que... Enfin, DSS que vous tuez. Forcément. Hein. On vous encourage à tuer les personnes les plus... dominantes. Hein. Bon, ça va. Après, quand on est prêt, on peut un petit peu anticiper. Mais malgré tout, sachez que même en mode facile, il va falloir calculer la distance entre la balle et votre cible pendant qu'il court. Car la balle ne va pas directement en plein milieu de votre target. Donc là, je fais le tour et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que normalement, le deuxième est là, parfait. Bon, voilà, comme ça, ils ne mourront pas aussi facilement, donc on va rentrer dans le hangar et essayer de s'enfuir. Après, bon, si mon objectif n'est pas très loin, j'essaierai de le faire vite fait. On n'est pas non plus très très loin dans la vidéo. Arrête, voilà. Putain, arrête de bouger, quoi. Je voulais que tu te stabilises un peu. Et bim. Même le casque en part. C'est génial. Allez, toi, voilà. Putain, mais crève! Hop. Oh, il est pas mort. Hop. Oh, dans l'explosif. L'autre est mort? Non, il est juste tombé. Non, parce que, croyez-moi, quand ils sont à l'agonie, ben, les autres IA, ben, ils viennent le sauver. Ils le traînent. Hein. Ils le traînent pour le cacher. Ça, c'est super drôle. Comme quoi, il y avait de la solidarité même chez les SS. Non, après je déconne, bien sûr que du côté allemand aussi, ils n'avaient pas non plus trop le choix, certains. Ils le faisaient à contre-cœur. C'est pas pour rien qu'on avait reconnu deux attentats commandités au sein même des forces de la Wehrmacht et autres unités allemandes. Deux attentats contre Hitler qui ont échoué, malheureusement. Alors ça, c'est des objets à récupérer qui sont dans des coffres. Petit minuteur, on va attendre. J'ai pas envie que les autres me suivent, donc on va mettre une mine câblée ici. Hop. Et hop, voilà. Du coup, quand ils passeront, enfin en tout cas, personne va pouvoir me suivre, ou alors je vais le savoir avec un bullet time qui arrivera à un moment quelconque. Alors, je suis pas loin du système de sécurité, autant vous montrer de quoi il en retourne. Ouais, ça va, il a 50 mètres, quoi. Mais en tout cas, voilà, cette safe zone à chaque début de mission, moins de linéarité avec tous ses objectifs à remplir, des graphismes magnifiques, plus d'objets à trouver,
L'arbre de compétences tous les 5 levels. Ben franchement, c'est des nouveautés qui sont vraiment les bienvenues dans la saga Sniper Elite et qui, pour moi, le traduit comme un jeu plutôt très bon pour cette, pour ce début d'année 2017. Si vous avez aimé Sniper Elite, ben franchement, foncez parce que celui-ci est vraiment, vraiment une valeur sûre. Franchement. C'est limite pour moi un coup de cœur, je n'en attendais pas autant, à vrai dire, vous allez me dire. Que Rebellion fait un petit peu toujours la même chose. On pensait que justement ils allaient encore essayer de gratter au fond du pot de yaourt. Et puis au final, ben non, ils ont gentiment ouvert leur frigo, ils en ont ouvert un nouveau, quoi, c'est tout. La métaphore a chié, quoi, putain. Je peux dire de la merde des fois, c'est affolant. Enfin bref. Non, bon, alors, on va essayer de faire quand même le second, histoire d'avoir un 100%. Enfin, un 100%. J'ai pas réellement eu un 100% parce que même, du coup, votre taux de précision, le fait de jouer en discrétion, mais tout ça, ce sont des pourcentages qui s'accumulent dans votre barre de 100% à la fin du jeu. Ce qui fait que, ou vous jouez vraiment la mission comme le jeu l'entend, pour avoir votre 100%, ou alors, il suffit un petit peu de prendre un peu vos aises, et à ce moment-là, vous pourriez perdre quelques pourcentages assez précieux pour compléter le jeu. Montre-moi ta tête, toi. Voilà. Allez, on est à 120 mètres de l'objectif, et puis après, on se barre, les gars. On se casse de là. Et salut, toi. Et salut, toi. Allez, lève ta tête. Oh, merde! Allez, montre-toi. Non, il passe pas par là. Bon, tant pis. Après, malheureusement, cette mission, comme je vois, ça reste dans un hangar. Et puis, on peut moins voir la beauté. Qu'est-ce que c'était, ce truc? C'est quoi, ce truc rouge? Oh, le sous-marin, il va faire plouf. Ben voilà, génial. Allons-y. Non, voilà, parce que après, franchement, pour les autres missions du jeu, alors au total, selon les trophées, il y a 8 missions à faire. Hein. Si vous voulez bien les compléter, comme je vous ai dit, ça va vous prendre, allez, au minimum 40 minutes, maximum 1h30, 1h40 pour faire la mission. Ce qui fait que, quand même, le jeu a une durée de vie moyenne de 8 heures, on va dire. Sans compter la mission Target Führer que je suis en train de faire. Sans compter bien sûr le temps que vous pouvez passer à faire du solo, du multijoueur ou du coopératif. Non, moi je pense qu'on se retrouve sur un bon jeu, autant sur la durée de vie que le contenu qu'il nous propose. Franchement, pouce en l'air pour Rebellion, franchement, pour ma part, franchement c'est top. Après moi aussi je suis con d'essayer de tenter un headshot à la STG à cette distance, le mec doit être à 30 mètres facile. Voilà, c'est bien. 23,7 mètres. Oh, pardon, excuse-moi, 7 mètres près. Ah, vous allez me dire, c'est quand même 7 mètres. Hein. Bon, allez, explosons ça et barrons-nous. Mais non, non, je veux pas péter ce truc qui fait du bruit, je veux péter ça. Voilà. Allez, marquons la sortie. Il y avait différents endroits pour sortir. Bon, allez, on va se barrer par là. Hop. On va prendre. On va tenter. Oh non. Je voulais tenter de prendre le snipe, mais bon, au final, je sais que là, cet endroit... T'es où, toi? T'es au-dessus. Je vais essayer de te régler, parce que là, passer par là-bas, c'est un peu difficile. Oui. Ouch. Oh non, non, mais pas par là, putain, il y a du vide. Oh, je suis trop mal, là. Oh, enculé, mais non, en fait, c'est du suicide, en fait, de monter en haut, au final. Bon, au moins, vous pouvez voir, voilà, une régène, comment ça se passe. Aïe, oh, damn, putain, mais, mais à la base, les ennemis, c'est censé être des stormtroopers, quoi. Ils m'ont pas touché une seule fois, et là, maintenant... Remarque, vous allez me dire, plus vous restez de temps dans une zone en alerte, plus il y a de renforts et plus il y a de difficultés. Ça, c'est un système de difficultés évolutives qui appartient à Sniper Elite 4, qui est vachement stylé. Autant dans le 3, peu importe le nombre, on pouvait être à 1 vs des milliards. On était aussi doué que le sniper dans le clocher de « Il faut sauver le soldat Ryan ».
C'est peu importe la supériorité numérique, on était toujours meilleur. Et là, franchement, on a ce sentiment d'infériorité et ce sentiment de, bah, des fois, il faut fuir au lieu de faire face. Et croyez-moi que bah, la sortie étant de l'autre côté, j'aimerais bien fuir. Mais là, il y a du monde. Ils sont de mieux en mieux armés. Ils ont de, enfin, ils ont plus de vie. Ils sont mieux équipés. C'est chiant, quoi. Alors qu'en une seule balle de snipe, ce serait réglé, mais bon. J'ai plus que 24 balles, il va falloir jouer l'économie. Allez! Putain, plus que 6 balles. Putain, ça y est, j'en ai plus. Allez, corps à corps. Putain, j'en ai récupéré 8 au sol, quoi. Allez, on se casse, on se casse, on se casse, là. 16 balles. Ah. Non, mais ça y est, y a plus d'ennemis, on peut y aller. Non, c'est pas par là. Sur la minimap, ça a l'air d'être plus logique en passant par là. Ok, la fenêtre, j'ai compris, c'est la fenêtre. Allez, parfait, et on se barre, c'est fini. Oui, bah enfin, on verra si c'est un sosie d'Hitler que t'as tué. Qu'est-ce que t'y peux, Karl? T'as fait ton boulot. Bon. Et eh ben voilà, ben sur ce, du coup, je vais arrêter le test de Sniper Elite 4 ici, en espérant du coup que mon test vous aura bien plu. Croyez-moi, c'est une valeur sûre, je vous conseille vivement de l'acheter, franchement, il est vraiment sympa. Sur ce, du coup, j'espère que mon test vous aura bien plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao!